Merci, petit Seb. Et c'est là où je me trompe et que c'est quelqu'un d'autre qui me fait un Lechen. Non, c'est bien lui. On sait jamais. J'arrive pas à voir les yeux partout. Je vais changer de vocal, attendez, parce qu'on est sur la mauvaise vocale dans le Discord. On est encore dans le One Armed. On va repasser dans le direct Twitch. A tout de suite. Voilà. Que tout le monde puisse nous rejoindre. Merci, c'est très gentil. Merci, petit Seb. J'espère que ton direct s'est bien passé. Et ben voilà, tu arrives au moment où on fait la bascule. On ne pouvait pas être mieux synchronisé, mon cher petit Seb. On venait de finir un casse dans le jeu à une main, là, de braquage. On a essayé un bar qui est une carte payante. Et on a réussi le casse, alors dans la violence, mais on a embarqué toutes les valeurs, Thunsen et moi, à deux, on Et s'est. c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. On Bienvenue. s'est fait plus de Bienvenue. 100 000 dollars de gains, Bienvenue. donc extrêmement rentable. Et virtuellement, hein, attention. Ouais, mais je me réjouis à l'idée qu'il y ait à l'avenir d'autres cartes. Et d'ailleurs, à l'inverse du jeu de cuisine, le jeu de braquage, là, de mission machin, à long terme, au final, j'adorerais qu'il. Alors, c'est évidemment la décision des deux développeurs. Hein. Je rappelle qu'ils sont deux à développer les deux jeux là. J'adorerais qu'à terme, ils publient, quitte à ce que ce soit un DLC payant, je serais prêt à mettre la main au portefeuille parce que ce serait justifié. Qu'ils élaborent un éditeur de niveau pour les braquages et qu'on fasse nos propres mondes. Nos propres scénarios, c'est trop bien, c'est trop trop bien. Ouais, après, ces genres de jeux, c'est pas forcément. Ah, c'est plus compliqué que ça. On n'est pas sur du Oui, Doom ou des bien trucs comme sûr, ça. Hein. bien sûr. Mais moi, j'estime que ça apportera une énorme plus-value au jeu. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Ou alors, les deux créateurs vont, de manière très privative, se conserver l'exclusivité de la conception des niveaux. Et puis, au compte-goutte, de temps en temps, on aura des cartes qui vont sortir. On Puis verra. faire des niveaux, c'est pas forcément simple, hein, faire les cartes, Bien faire sûr, les différentes interactions des boutons, etc. parfaitement, mais on Différents peut spawns des différents policiers, etc. ne brise pas mon rêve, s'il te plaît, tu te Donc cèdes. On y a bon. droit, I have a Non, dream. mais il y a beaucoup de jeux comme ça qu'on aimerait avoir des éditeurs de niveaux de cartes, mais les éditeurs le font pas, donc bon, c'est comme ça. Hein. Oui, bien sûr, c'est leur droit le plus Même des absolu. gros jeux, Bien hein, sûr. donc pourtant ils pourraient. Hein. Oui. Mais c'est pour moi une véritable plus-value d'avoir un éditeur de niveau. Moi, ça pèse dans la balance quand je m'achète un jeu. Là, par exemple, attends, je vais retrouver le truc. Vas-y, continue en attendant, je vais Non, chercher je un t'en truc. prie. Le gros de mon argumentation vous a été délivré. Ah. Va te rafraîchir, oui, Ok. petit Seb, profite. J'ai vu ça passer Peut-être qu'on peut l'autre lancer le jour. jeu. C'était quoi? Oui, t'inquiète. Ah bah c'est bien, c'est Oh, il déjà est fait, déjà il est là, le rapide. bétail. Oui, il est rapide. C'est où? Mais c'est bien que tu Faire un réussisses à clic pour passer. arriver dans le vocal, c'est sûr que c'est long. Alors, le dis-je, je pense que je l'ai encore dans mes. Ah non! Ah non, j'ai lancé trop de jeux en fait hier. Je pensais que j'avais encore dans le top 5, mais non. Ah et voilà, tiens, c'est ça, j'ai retrouvé le truc. Attends, je vais mettre l'âge, parce que sinon il ne voudra pas me donner le truc. Donc depuis le 8 août, sur Ouais. Steam, est disponible Doom Eternal ID Studio. Et la particularité de ce produit est que. Qui est gratuit, et ça te permet de créer des modes et des cartes. Ce qui va de facto rendre à l'international le jeu encore plus populaire. Et ben bravo! Avec le moteur de Doom Eternal, bien sûr. C'est beau! Donc, ouais, quand les gros studios y veulent, ils peuvent, hein. Mais bon, ça, C'est c'est autre chose. moche, c'est beau. Bon, normalement j'ai S'ils se déclaré la disent, bonne bon, catégorie. on va faire un peu de mode sur le jeu en attendant le prochain Doom, Dark Age, Ouais. dans le monde médiéval, donc voilà. Et si les gens ont déjà lancé le jeu, allez, on, qu'est-ce que c'est ce bazar? Bah j'attends que le jeu se lance moi de mon côté, ouais. Il met Moi, du c'est temps. déjà lancé. Bravo, moi il met du temps à charger. Mais c'est dans les tuyaux. Donc, est-ce qu'on est que 3 ou il y aura 2 gens qui se rajoutent? Bah, il n'y aura pas qui c'est là puisqu'elle est en train de streamer de son Oui, elle est côté. joueuse. Ah, on va la casser la gueule. On va lui casser la gueule. Oh, Non, Edge. elle est sur Severance, c'est un bon jeu. Non, non, non. Edge, il fait un foot ou un équivalent en vie réelle avec un copain, il reviendra plus tard. Tu vois? Torota, il va, quand il sera sorti de sa phase de sieste repos, il nous rejoindra.
Et Nayone pose la question, à quoi jouez-vous? On joue à Dark Hours, le prologue, qui est gratuit. Prologue. Parce que le jeu n'est pas encore sorti officiellement. Il va sortir le mois prochain, normalement. Alors, un tarif, à mon avis, que j'investirai pas dans l'immédiat. Parce qu'on a d'autres jeux à faire. Alors, c'est pas si ça. Moi, je le trouve. Bon, il sera pas gratuit, mais moi, je le trouve cool. Je pense que je vais vite investir dedans. Ouais. Ça, ah, purée, tiens. L'ambition ça me fait penser que j'avais. Du procédural. Je... Qui veut héberger la partie? Ouais. Moi, je sais pas. Je vais vous. Merci. J'allais dire idéalement quelqu'un qui a un bon ordi et qui ne diffuse pas. En pointillé, Twinson. Merci. Hop. Ah, je suis triste. C'est le petit machin. Pourquoi es-tu tristesse, petit cher? Je m'étais fait un panier sur Steam hier parce qu'il y avait des jeux que je voulais en réduction et j'ai oublié de l'acheter et aujourd'hui ils le sont plus. Ah bah oui, attention. Ah, c'est terrible. Steam, en fait... Ah bah pour l'été, hein. Oui, Steam, la heure française, ça bascule toutes les semaines jeudi 19h. Tous les jeudis à 19h. Ah non. Alors... c'est plus du tout le cas parce que maintenant il y a des soldes, mais tout le temps. Et des fois, t'as des jeux qui vont être en solde lundi, mardi ou mardi, mercredi. T'as toujours les offres de la semaine et les offres du week-end, mais en plus, pendant la semaine, t'as des offres qui arrivent et qui repartent. Mmh. Et là, il y avait justement le dernier Alone in the Dark que je voulais pas acheter plein tarif, qui était à moins 50%. Ok. Après, le jeu lui-même, il est moyen. Oui, voilà, mais moi, ça m'intéressait. Et il y avait aussi l'anthologie des trois premiers, enfin des quatre premiers même, qui était à moins de 5 euros avec la réduction, quoi. Donc, ça m'intéressait. Bonjour, Lynn. Mais, pardon. Pour les faire. Qui passe par oui, oui. Alors, je sais pas qui vaut le coup. Les autres, les 2 et 3 et 4. C'est juste commercial. J'espère que ça va bien. Merci à toi d'être là. Mais si. The Last Nightmare, quoi, que moi j'ai bien aimé, mais c'est le premier que j'ai fait aussi, alors. Ou un truc comme ça. Enfin bref. Mais tous les jeux qui sont un peu Resident Evil, j'adore. Donc, ouais. Ouais. Vous voyez mon œil. Je fais n'importe quoi. Bon, je refais l'invite ou quoi? Parce que s'il n'y a pas accepté l'invite, c'est pas possible. Bah. Non, j'ai pas accepté l'invite, mais t'inquiète pas. Ça va venir. Je te rejoins. Est-ce que Nayounou, du coup, il se rejoint à Nayounou? Nayounous! J'ai envie de couper le micro dans le jeu, c'est possible, parce que ça sera. Ça sera horrible. Ah! Oui. Est-ce qu'on l'a pas? Bah, il s'est pas manifesté dans le chat, donc. Il fait dodo. Il est juste spectateur, j'ai l'impression, de Nayounou. Le connaissant, il aurait été plus enthousiaste. Voilà, mais il précise pas maintenant. Donc on peut y aller. Oui. Pardon. Bon, bah, je vois là. Voilà, Nayan, on veut rester spectateur. Ce que je conçois. Ça marche à la manette. Ça marche à quand il sortira de sa phase de repos. Vous goûtez. De toute façon, l'objectif, c'est d'y arriver. Alors, oui, après qu'on ait arrêté. Après qu'on ait arrêté hier, j'ai lancé une partie en solo. En fait. Oui. L'objectif d'argent qui pour nous était de 60 000, qui là est de 45 000, en fait c'est de 15 000 par joueur. Ah, voilà. Ça se répartit, oh la vache. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à sortir tous vivants. En fait. Tu vois, regarde, là on est 3, 3 fois 15, 45, hop. Ah la vache. Voilà, donc là effectivement, il y a deux pieds de biche. Il y a deux outils de piratage et deux tokis. Et je pense que c'est la boutique qui nous permettra d'acheter des objets. C'est ça, en fait. C'est le nombre de trucs qu'on va emmener à chaque mission. Non. C'est... Attends, je m'amuse à toquer, mais ma manette... J'avais rangé dans le meuble. Et en fait, je faisais vibrer la manette en toquant dans le jeu. Donc je lui dis, mais pourquoi mon meuble vibre? Je commençais à tiquer, là. Alors j'aurais été seul dans le jeu d'horreur. Dans le noir, là, j'aurais hurlé. Heureusement que vous êtes là, vous étiez en train de me faire la causette, parce que j'étais parti pour hurler. En disant, mais qu'est-ce qui se passe, au secours? Ça va, t'es pas un nain? Est-ce que t'as encore le bug d'hier ou pas, non? Est-ce que quoi d'hier?
Est-ce qu'il y a encore le bug d'hier où il était tout petit là? Non. Mais je l'ai eu que sur la deuxième partie. C'est ce que je dis. Après, j'ai relancé en solo et c'est comme ça que j'ai vu que c'était 15 000 par personne. Mais t'as fait ouais. Faut appuyer sur le bouton prêt. Hein. Je sais pas laquelle c'est la touche, mais. Ah oui, c'est entré. Normalement, c'est entré. Ah, ça me rend fou de la mettre en vibration à la demande. Là, ça me rend fou. Je vais la mettre là parce que. Ah! Où est la clé, monsieur le ninja? Ouf. Attends, si j'arrive à m'en saisir. Ouais, donc, si tu joues en solo, en fait, quand tu passes cette porte, t'as un bouton pour l'ouvrir de l'autre côté. Mais j'ai joué à la manette, je crois. Je crois que j'y arrive à la manette. Si vous pouvez tourner à. À quoi? À gauche et m'ouvrir. Pardon? À t'ouvrir, pas m'ouvrir. Ouais. Alors, attendez. Bien. Attendez, il y a une technique, tu vois, très bien, là on se fait. Ah, quel bois qui active les trucs. Ah, c'est moi, c'est pas des gars. Bon, bah, allez. Là, maintenant, tu viens de blesser, ouais. Ouais, parce que si tu passes tout doucement sous le laser et que tu passes sous la porte, ouais. Rien ne t'empêche après... Bon, et qui c'est qui passe sous la porte, là? Parce que là, j'attends. Je sais pas, Toonsen il m'a dit qu'il est arrivé, j'attends comme un con avec la porte soulevée. Ah non, mais moi je suis dans le porte, le gros pont là. Ouais, mais ça on en a pas besoin. Ça vaut combien? 300, on s'en fout. 2400, on gagne. Ouh! J'étais en train de me dire à quel moment arrive l'entité et elle s'est présentée à moi. T'as quoi, c'est quelle entité qu'on a du coup? On a la première, Monsieur Goudron. Là. Alors, Monsieur Goudron, si vous trouvez l'appareil photo, gardez-le. Vous lui mettez un flash dans la tronche. Oui, il sera pas content. C'est l'instant de despawn. Polaroid. Ah, je l'ai là, le Polaroid. À moi, le Polaroid. Alors, Toonsen, regarde. Bon, déjà, il y en a un de caché derrière le truc, là, voilà. Et il y en a un de caché là aussi, là, sur le fauteuil. Je gère mal les lancers de trucs, mais je vous ai balancé. Ah, j'arrive pas. Ah, si, ça y est, je l'ai. Je vais le mettre là, c'est là où j'ai jeté toute la merde. 300. Là, on va aller déposer déjà ce qu'on a ramassé. Merde! Putain, ça a touché au sol! Ah, fait chier. Les touches sont vraiment pas intuitives hein, sur le jeu. Il doit y avoir 4 ou 5 pierres joyeuses qui se baladent. Pierre précieuse qui se balade dans la pièce. Hein. C'est les pierres, tu les ramasses et te. Ah, j'ai trouvé. C'est petit poussé en fait. Là-bas, des prochains. Je les ai mis dans le sac. Ah merde, je pensais avoir accès. Ok, super, merci. Attends, il y a un lion là. Il vaut combien ça? C'est la troisième fois qu'on se lance dans cette carte et j'ai toujours pas la mémoriser. Oh, il y a 900. Oui. Et. Tu sais que en plus on a la carte sur le plan au début de la map. Hein. Bah si. J'ai même pas fait gaffe. Je croyais que c'était un graffiti d'enfant là, de l'école primaire d'à côté. Mais non, t'as le IR là que Christella le disait mère. Ah non mais c'est là où on est en fait. D'accord. Voilà, oui mais c'est là où on est. Le coffre-fort c'est ce qui est entouré. Wow, voilà. La salle avec les lasers. Avec le bureau du directeur qui est dans le coin en haut à gauche. Là où c'est grillé avec la. Rayé avec la porte là sur la gauche, c'est la sortie. Juste en dessous, c'est la maintenance. La salle de bain, c'est la petite salle qui est en bas à droite là des lasers. La salle de contrôle, c'est moi, j'y vais, merci encore pour ce bon moment. Eh ben, je suis ravi. Merci d'avoir été là dans le Geekmos. We peace and rock.
chaîne love aussi. Il n'y a pas que de rochers dans la vie. A plus, Languimos. Bonne fin de journée à toi. Il y a un piratage à faire là. Quelqu'un pour m'aider? Ah, moi je tiens le Polaroid avec. Bah vas-y, tu le sais, s'il te plaît. Moi je tiens en respect la belle. Enfin, si je la vois. Je suis là, moi. Ouais, c'est là, là. C'est bon, vous avez réussi? Ah non, je ne sais pas comment c'est. Si la bête arrive, je vous couvre, j'ai le Polaroid. Alors? Bas-haut. Impeccable. C'est bizarre. Je l'ai provoqué tout à l'heure, j'ai dit qu'il a pris. Mais non, il apparaît une fois au début, puis en fait, c'est plus on reste longtemps. J'ai l'impression que c'est plus on reste longtemps, plus il apparaît. Ouais, ouais, il gagne en puissance psychique, on va dire. Il va se manifester à nous. 1200, on s'en fout. Oui, donc c'est bon, vous avez réussi votre combi à deux. Ouais. Ouais. Même les trucs à 1200, je les jette, hein. Il y a tellement de trucs plus chers à emmener. Je sais plus, vous avez fait le coup du disjoncteur rallumer et éteindre ou pas? Non, mais pour l'instant, il faut. Là, il faut. Il faut juste appuyer sur les interrupteurs dans les couloirs. Hein. Là. Je sais pas si à un moment il se manifeste à nous. Alors, haut, droite. Le jeu de l'horreur absolue tremble. En fait, c'est moi qui ai le premier à crier quand se passe un truc. C'est hallucinant. Dragon Sky, Dragon de Lorraine. Oh purée de Dieu. Ah, je me suis mis dans une. C'était quoi le bug là? Ah oui, le trou du cul. Ah, pardon. Oh. Bonjour Dragon, j'espère que tu vas bien. Et que tu profites de tes dernières heures en Belgique. Oh, gauche, oh. Il était très compliqué celui-là. Ouais. Alors, je suis vraiment surpris de me dire que l'entité maléfique ne s'est pas encore manifestée à nous. T'inquiète pas, elle va venir à toi, tu comprendras. Oui, bah, prout. Quand elle te mangera les fesses, on te le dira. Faut pas le cul. Quand j'ai joué solo, j'ai avancé et là, la porte elle s'est ouverte. Et quand j'ai voulu avancer, elle s'est fermée. Elle me claquait à la gueule. De Belgique, c'est ce oui. D'accord. Oh. Ah, ça se rallume de mon côté. Pourquoi il y a un jeu de lumière assez long? En fait, il y a la lumière. En fait. Oh. Vous avez brisé quelque chose en vrai? Ouais. Ah, ok, c'est bon. Merde. Ah, c'est pas moi. On s'en fout. Ouais, mais il y a une statue de lion ailé dans la vitrine, donc j'ai pété et j'ai regardé le prix. J'ai vu le prix, j'ai fait ok, j'emmène. Au. Et je suis bluffé que l'entité maléfique ne soit pas réapparue. À croire que c'est moi qui lui ai fait peur au début. Oh merde, là. Comment je n'entendais pas. Je l'ai polarisé. Ouais, regarde bien si les lasers sont activés ou pas pour savoir si t'as besoin de te baisser ou si tu peux pas passer. Comment je sais qu'il me reste du polaroid? Et attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de niquer le jeu en prenant la clé ici tout de suite. Oh, t'as trouvé une astuce pour avoir le bras long? Merde. Oh. Quelqu'un a fracassé quelque chose. Ah, j'ai plus de place là. Prends le globe. Ouais, 1200. Prends ça, ça le cher. Globe, il fait 6000 le globe. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis prends le globe. Voilà. Et là, il y a deux trucs sur la table, mais je pense pas qu'ils vaudront cher. Je crois que sur la droite. 300 et 2400. Que j'ai neutralisé au Polaroid. Et il est pas content. Ouais, parce que là ça doit être fermé à clé, ouais. Et là on n'a pas besoin d'y aller. Il y a un truc dans les chiottes, il y a un bracelet à la place du papy.
Ah, je vois une lumière se déplacer, j'espère que c'est vous. Pourquoi c'est... Ouais, c'est quoi ? Attends, vas-y, essaie d'activer un laser. J'aime bien qu'ils sont à fond dans le casque, ils en ont rien à péter du monstre. C'est moi qui le mate avec les polaroïdes. Je sens que le monstre va réapparaître et il va me bondir dessus pour mieux m'égorger. D'accord. Ouais, en fait, quand je relève le truc, ça ferme les portes là sur les côtés. Je me demande du coup si je fais pas exprès de le déclencher pour sortir. Ah, vous avez ouvert une grille. Non, pour avoir les grilles ouvertes en fait. Je retourne déposer, comme je suis plein, je retourne déposer moi. Ouais. Ah, moi aussi, j'ai des trucs comme je suis moi. Oh merde, le monstre vous suit. Ouais, vas-y. Moi je garde l'appareil pour la rouille. Ah, je l'ai coquillé, il a pas vu. Ah, ouais, il vous poursuivait, je l'avais vu. Qu'est-ce que je vois? Ah, tu prends juste les gros trucs, tu vois, on est déjà à 83 000. Hein. Attends, on n'a même pas ouvert la grille ici. Ouais. Ouais, c'est pour la couronne royale aussi. J'arrive pas à voir où est le monstre. Ah, il faudra que je vous couvre avec le polaroid là. C'est le pola. Et où le pola? Ça va, ça se passe bien? Ouais. T'as, j'ai sprinté justement du couloir avec le polaroid. Je crois que j'ai quoi qui... il est derrière nous là. Ah bon? On a besoin du polo. On l'a éclairé à deux, ça l'a fait. D'accord. Verrouillé. C'est le jeu de la flip. Voilà, c'est la clé d'ici que j'ai eu. Ça. Bas, droite, gauche. Au moment, je vois pas. Un bracelet à 300, on s'en fout. Ah, par contre, je sais que la boîte à bijoux là, elle vaut cher. Non, le reste. Alors, le vase vaut 40, on s'en fout. Oh, le buste, il vaut 3500. Et la boîte de pierre. Et la boîte avec la pierre précieuse, 4500. Là, j'ai pris la clé sur le bureau et j'ai pris un hippopotame qui coûte 6000. Ah, on va déposer ça. Hein. J'ai rien dedans. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Bah, viens avec moi, le sage. Je suis en train d'ouvrir la grille là. Non, il y a personne. Ça va? Vous avez à gérer? Moi je garde ma position finalement, si ça va. J'arrête pas de scruter gauche, droite. Vous voyez sûrement mes yeux à la caméra. Alternativement, je fais gauche, droite pour essayer de mater le monstre. Mais l'ambiance est claire. Il est avec moi. Hein? Il est avec moi là. Et où? Ah, le monstre? Au niveau du sac. Il est parti, parce que je suis rentré dans la pièce éclairée là, donc ça va. Non, mais là il rentre, hein. faut pas se leurrer. Il peut rentrer. Non, moi il peut rentrer. Eh, hein. Mais il peut rentrer, à un certain moment. Ok, go le coffre. Et j'ai la clé, hein. j'ai une clé, je sais plus laquelle. Celle de sortie? Je crois, ouais. Je vois quelque chose sur la gauche. Ah d'accord, je sais qu'est-ce qui diminue notre endurance. C'est la quantité d'objets qu'on a sur nous. Ouais, ça pèse lourd. Ouais, je vais déclencher comme ça, tu pourras. J'ai l'impression que j'ai un truc qui arrive sur moi, qui est peut-être fantomatique sur ma gauche.
Ouais, il faudrait surtout que tu viennes avec nous à la salle des coffres. Le siège se shooté. Ah bah t'es en face de moi là. Impeccable. Retourne-toi et flash-le là. Non, c'était pas la bonne salle. Ah, dommage. Ça m'empêchera pas de le flasher. Tunsen, tu peux venir avec moi là, on va l'éclairer à deux comme ça. Il... Non ? Pas non. Il faut vraiment le flash en fait. Ah oui. Ah mais il m'a chopé aussi, c'est tout con. Tu vas nous rejoindre vite. T'es tout seul le. Ah j'ai le flash. Ah oui, attends, il y a un problème. Il y a un problème, je n'ai pas de compteur de flash. Je croyais que mon Polaroid était armé. Mais n'ayant pas de compteur de flash, je sais pas si je peux encore. T'es sûr que t'es sur Polo? Ben non, bizarre. Ouais, c'est frustrant. Parce que j'avais le Polaroid, mais c'est jamais déclenché. Ouais, parce que du coup, en fait, comme je suis arrivé à passer et à prendre la clé du bureau sans détecter sans déclencher les lasers, ouais, ça nous a permis d'aller directement chercher le deuxième fusible et d'aller directement au coffre sans avoir besoin de faire le tour par le petit conduit en ouvrant la maintenance et tout. La classe. Bon, du coup, on avait un peu moins d'objets de valeur, mais bon, on était déjà à 93 000. Je trouve que c'est plus facile quand c'est le monsieur Goudron que les 4 statues. Bah, ça dépend, parce que les statues, justement, ouais, comme tu dis, le sage. Ouais, c'est... Oui, mais si t'arrives à les bloquer à un endroit et qu'il y en a un qui surveille, les autres peuvent tout faire tranquille. Ouais, mais bloquer les 4, vas-y, moi j'en ai déjà maté 3. Oh, c'est pas compliqué à faire. Mmh. Faut réussir à les amener dans une grande salle. Ouais, bah avant de vous préparer, prenez des trucs quand même. Alors, on va laisser Petit Seb œuvrer et on va rien déclencher. Bah, de toute façon, regarde. Derrière les meubles, derrière les. Là, il y a un collier derrière le truc, mais il ne doit pas voir grand chose. Tu l'as tellement bien lancé que je l'ai pas vu. En fait, il y a une technique. Quand vous lancez des objets, plus vous maintenez la touche, plus il lance loin. D'accord. Qui c'est qui a mis un truc à 600 mètres? Oui, c'est moi qui ai jeté bêtement le buste parce que je l'avais pas vu. Voilà. Merci. Non, je t'en prie. Donc là, pardon, c'est... si on déclenche rien. Merci. Je comprends pourquoi vous pouvez être là. Il y a un truc là. Ah, mais non, c'est qu'on reste une merde. Il me manque qui c'est qui avait coupé la musique. Ah. C'est le monde. Bonjour, oui. Purée, le sage, je te déteste. Pourquoi? Bah, j'ai réussi à appuyer sur l'interrupteur en lançant un bouquin dessus et ça a rien fait parce que t'as coupé. Oh, pardon. Oui, parce qu'il y a une technique. Merde. Attends, toi qui es. Toi qui est juste là, je sais pas où. Ah non, vous êtes tous les deux à l'armoire. Là. Ah, non, je suis là. En face. Ah oui, c'était quoi la technique? La technique, c'est que si tu prends un objet et que tu vises correctement. Oh, oh trop bien! T'as un bon ninja! Stylé! La chale de bain. Stockage ouest. Non, c'est cool, c'est de trouver le petit biche. Oh, on entend un hibou. 1020, on s'en fout de ce machin. J'ai le jeu.
jeu de la peur. 780, on s'en fout. Re-edge. Bon, si ça fait 1200 ou moins, moi je bazar. Hein. Franchement, on a assez de trucs à rendre. Quelqu'un qui vient avec moi ouvrir la salle de contrôle. La salle de contrôle. C'est où ? Je sais pas, il y a quelqu'un qui court derrière moi, donc... Mais je pense que le monstre, une fois qu'on a... une fois qu'on a... droite, gauche, droite. Une fois qu'on est rentré dans le coffre, je pense qu'il s'énerve un peu plus. Et c'est pour ça qu'il nous chope par... il despawn plus quand on... Haut, gauche, haut. Oh, mais Jake, tu sais pas marcher. Supermarket together. On le fera tout à l'heure. On peut lire, vous allez. Ça sert à rien de voir le coffre du coup. Alors, on va essayer de passer et de. Alors, tout à l'heure. Voilà. C'est quoi ? C'est les statues ? Oh, je crois que c'est une statue. Il y en a une qui a bougé. Oui, bah là, c'est une statue. D'ailleurs, t'as fait gaffe. Hein. C'est une delay. Et le buste, là, qu'il faut faire. La couronne, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Hop ! On peut pas passer. Là. Passer par là. Tu l'admires. Ah, tu nargues la statue. J'ai une couronne à 1200 là, je fais quoi? Tu la jettes. Tu la nargues la statue, tu la nargues. Oh! Ah bah, elles vont pas être contentes avec la lumière allumée. Oula! Le club. Si on met les statues dans la pièce. Je sais plus si j'ai 3 ou 4 coups avec le Polaroid. Moi il me semblait que t'étais à l'infini mais bon. Hein. Non. Sauter. Non, tu peux pas sauter du coup, tu peux pas passer par là. Le Polaroid contre elle, je suis pas sûr qu'il serve à grand chose, mais bon. Ouais. Mais du coup, là, c'est les statues maintenant qu'on a là. Oui. Vous venez au bureau du directeur là ? Quoique, je vais aller poser le butin déjà. Je suis chargé comme un âne. Wow, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai une avec moi là. Ah, de copine statue? Ouais. Oh oh. Oula. T'es parti où, une scène? J'adore ce genre de réponse. Je sens qu'il y en a une qui va mettre le grappin dessus. Oh, j'ai mis. Ah, parce que j'ai peur. Fais gaffe. Madame. On a un coffre ouvert, il y a un peu de temps. Je mate la madame. Non, il y avait que de la merde dedans tout à l'heure. Avec le madame statue, on joue à 1, 2, 3 soleil. Ça marche bien. Et la clé, tu la trouves où ici quand tu la trouves, une scène? Bah, sur le bureau tout simplement. Je l'ai prise là. Ouais, non, mais je me doute, hein, c'est pour ça que je te demande.
Bon, allez, on se casse. Il y a un petit cop, je sais pas si c'est utile, le petit cop. Non, la dernière fois c'était juste un bracelet. Là. Par contre, j'ai pas les popotins hein, qui étaient à 6000. Oui, 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 j'ai pris la. Ça va, attends. Bien. Hop, t'as trop fait gaffe. Tu la regardes là? Bah. Ouais. Vas-y, tu peux passer vers moi si tu veux. Hop, hop, hop. Le calme, toi. On a Monsieur Goudron et on a les Dames Blanches après. On se tatoue. On se tatoue, méga kappa. Tiens, tu peux passer là-dessous là? Elle est au fond à gauche. Hein. Tu peux venir l'empêcher de venir devant la porte là. Ah, elle est repartie. On était trop loin, sûrement. Elle est repartie. Il y en manque une de batterie là. Non, c'est le truc pour la maintenance. Normalement, t'en mets une dans la maintenance pour aller chercher les clés, pour tout doucement aller jusque derrière la clé qui te mène au bureau du réacteur. Et du coup, on s'en fout là. Tu veux qu'on essaye de faire le. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on sait jamais. Non, rien. Je sais plus. Bas, droite, gauche, haut, droite. Voilà, c'est. Ouais, bah ça vaut le coup. Allez. Ah oui, ça vaut le coup, j'avais pas le tenter. Si vous aussi vous aimez sur Twitch les séances de. Oh! De contemplation de jolis lieux. Je me demande, tu peux essayer d'ouvrir la porte de sortie? What? C'est où ça? Là, là. Ah, les clés ouvertes et c'est tout. Non, il est avec les clés ouvertes. Il y en a encore une autre derrière. Okay. Ouais, ouais, mais j'en ça t'as utilisé la clé normalement. Deux à vue maintenant. Ouais. J'en ai deux à vue. Mais t'es où? Je suis à l'angle. Moi je veux rentrer mes trucs, il y a une à côté. Ah. Bon, visiblement elle peut pas se retourner. Et non, s'il y en a un qui la regarde, elle peut pas bouger. Ouais, bah c'est mon cas, je la mate. Et j'en mate une deuxième vraiment de loin. À ma droite, dans le couloir du fond. Je l'ai vu arriver et quand elle m'a vu, elle s'est figée. Normal, c'est une statue. Oh, elle a bougé, elle a fait une rotation sur elle-même, la vilaine. Elle mate l'un d'entre vous, les garçons. Faudrait que tu la vois. Je peux voir. Viens avec nous, le sage. Oh, t'es sûr? Oui, oui, oui. Bah là, il faut qu'on aille au coffre, donc il faut qu'on saute tous les trois. Ah merde. Bon bah, je te suis. Ah, il y en a une là. Ah, elle a la prise. Oh non! 40 secondes. Oula. Wow, elle a failli m'avoir. Oh, regarde-la bien, le sol. Quoi ça, viens. Derrière elle? Oula. Ouais, mets-toi derrière elle, tiens. Oui, d'accord. T'es sûr que tu. Ouais, mais on est peut-être pas obligé de déclencher. Les niveaux ou procédures, c'est juste énorme. Tu veux que je. Ah, si. Ou tu veux que je. Je déclenche? Ok. Ah, vas-y. Si t'en vois une qui arrive trop près de notre porte et qui rentre sans s'arrêter, le sage, tu préviens. Ok. Là, il y a non, tu l'as. Alors, haut, bas. Droite, droite. Haut, gauche, haut. Oh, ce jeu. De la contemplation des bouges intérieures. Mais j'aime beaucoup l'ambition des développeurs de ce jeu-là pour l'idée de faire en procédural. Ce qui fait qu'il y aura continuellement du renouveau dans les. C'est très malin. C'est ambitieux, c'est très malin, mais ça peut donner... Mais ça veut dire que les clés sont pas forcément toujours au même endroit, et que c'est très très cool. Si ils conçoivent intelligemment leur truc, avec les objets 3D bien maîtrisés, ils pourraient même faire des demeures aléatoires. C'est-à-dire que tu rentres dans une nouvelle partie, et la demeure est pas du tout agencée comme elle l'était précédemment. Fais gaffe derrière toi. Ce qui est excellent, ça donne un... Alors c'est dur à programmer,
Mais ça donne un dynamisme énorme de. Vas-y, de si, on va passer par là, là. Vas-y, le sage, rejoins-nous. Ah, alors attends. Faut les poser la couronne. Non, faut qu'on la garde la couronne. Hein, madame. Voilà, voilà. Ensuite, on fait. Fais gaffe. Quoi, gaffe Non, je parlais à Twinsen. Ah. Je sais pas s'il faut la mettre là, la couronne. Voilà, il y en a deux dans le couloir où je regarde. Elles se réunissent, les vilaines. Oui. Vas-y, sors, Twinsen. C'est quoi le problème? Ouais, maintenant faut qu'on sorte. Comment? Qu'est-ce qu'on fait, chef? Côté gauche. C'est où j'ai ouvert la porte, moi? C'est derrière moi. C'est tout droit par là-bas. Le sage. Le sage. On fait quoi? Viens avec nous, maintenant. Alors, tourne-toi et cours. Oui. Et je suis. Cours tout droit. Run, baby, run! Run, baby, run! Ah, maintenir pour rester au van. Quoi? On a gagné? Non. J'ai pas compris. On va quitter. Ouais. On a réussi le casse. Yeah, yeah. On l'a fait en un cas de cono. Bravo. Ouais, mais c'est ce que je dis. Les statues, c'est beaucoup plus facile. Ah ouais. Bah oui, parce que toi, t'es devant la porte du coffre-fort dans le coin, là, le sage. Ah. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui passe devant, tu l'immobilises. Donc nous, on est tranquille pour ouvrir le coffre. C'est une scène, le pire coéquipier c'est toujours moi. Pour pas changer. Eh ben c'était sympa. On fait quoi, chef? Bah en vrai on peut essayer de la refaire, voir si on arrive à le faire avec l'autre monstre. Ah, t'es devenu accro au supermarché, AJ. On va te rejoindre tout à l'heure. Mais c'est bien. Il fait sa caissière. Oui, il a découvert. Il fait sa caissière. Faites gaffe, hein, bientôt il va mettre des jupes. Hein. Oh là là. Bon, pourquoi pas. Chacun s'habille comme il veut d'abord. Hein. C'est vrai. AJ va porter le kilt. Alors, s'il te plaît, Twinsen, tu ne bouges pas. Tu laisses petit. Est-ce qu'on aura un autre monstre? Démonstration de la subtilité, s'il te plaît. Est-ce qu'on aura un autre monstre, un troisième monstre? Bonne question. C'est pas impossible. Je pense qu'ils vont en faire d'autres, mais peut-être qu'ils vont faire des variantes aussi, en fonction des maps, ça serait cool. Oui, avec des conditions différentes. Parce que là, on est dans un endroit avec des statues, qu'il y ait des statues qui vous agressent, oui. Mais peut-être qu'il faut que ce soit des statues. Si t'es dans un endroit plus extérieur, on va dire, avec des statues peut-être plus en pierre, tu vois, ça peut être sympa. Il n'y a pas d'opération subtile, faut se faire détecter et aller ramasser la clé. Ah bon, bah alors j'y vais. Ah, évidemment. Alors, tu disais, il faut rester appuyé. Bah bon, je tape le siège, moi, comme un con. Tu restes un peu appuyé. Oui, non, mais il faut que tu regardes dans la bonne direction, le sage. Oui, j'arrive même plus à interagir. Bah merde, je vais pas m'agenouiller pour récupérer la clé quand même. Mais je la vois toujours sur le fauteuil, hein, mais bah bon. Oui, et moi j'arrive pas à interagir avec, c'est quoi le bordel? Bah, c'est quoi le bug? Bah, pourquoi ma touche? Oh, ça gueule! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est du délire, pourquoi la touche fonctionne plus? C'est encore un coup de ta souris, ça, hein? Écoute, je sais pas. C'est de bouger puis de revenir. Oui, ouais, je veux bien parce que là c'est. Vas-y, reviens au fauteuil. Quoi? Je vois. Pas. Bah, j'ai pas changé les touches, c'est imposé. Bah, pourquoi j'ai un bug d'interaction? Alors, on n'est pas dans les merdes si on est bloqué dès le début à cause d'un bug. Si tu échappes, retour au menu et on recommence. Hein.
Après, l'idée, c'est ouais, recommencer jusqu'à ce qu'on soit sur le bon mob, ça peut être chiant. Oui, ça peut être chiant, mais... Attends, j'essaie de comprendre. Je tape comme un ego parce que je fais tous les boutons maintenant. Si je oh, base chic, il vaut 2000. Oui, n'hésitez pas à repérer les trucs. Ouais. Pendant que j'essaie de me décongestionner de ce bug étrange. Ou sinon, bah non, oui, c'est pas le A. Ah, attends, j'ai ma petite idée de comment du pourquoi. Non ? Ah non, c'est pas la manette qui a pris le relais ? Oui, je pensais que c'était ma faute avec un périphérique de jeu, mais non. Bah, il est con ce bug. Alors là, pour le coup, il faudra remonter l'information au développeur. Bon, le coup de toquer n'importe quoi, c'est débile aussi. Il faudra peut-être reprogrammer ça à l'occasion. Mais. Non mais sans déconner, je ne peux pas interagir. Mais ça se trouve après, t'as des... Dans certaines maps, t'auras des passages secrets à trouver. Ouais, ce serait rigolo. Bah t'imagines un cambriolage comme une demeure, là, comme le taré de Dolms, le tueur en série, là. Le mec qui faisait des couloirs... Des passages secrets, je sais pas. Écoute, je comprends pas, je... Pourquoi c'est... Mais tu dis qu'il est prévu pour sortir le mois prochain ? Je crois, hein, j'avais dit septembre prochain. Attends, je relis ma... Voilà. Ça me donne aussi envie de jouer à Devour. J'ai envie de tryhard Devour, là. C'est un truc de fou. Devour, la nouvelle map, sort en septembre aussi, d'ailleurs. Alors, je regarde bien l'objet, mais je peux pas interagir avec. Alors ça, c'est très con. J'ai vérifié la touche, hein, vous l'avez vu à l'écran. J'ai demandé le menu de description de touche d'interaction de manette. Et ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Essaye de quitter la partie pour voir. Oh, je suis désolé. Te faire un retour au menu pour voir ce que ça fait. Ouais, je suis désolé, je comprends pas. Non, mais faut que j'arrête, je retourne au lobby. Non, attends. Attends, on va voir si le sage arrive à nous rejoindre de nouveau. Je sais pas. Il faudrait que tu essaies de me réinviter. Hop là. Parti. Ouais, réinvite-le dans l'ordi. Oui, il est parti. Il est où? Ah non, j'ai invité à regarder. Ah, tu peux plus. Ouais, donc on peut pas inviter en retour. Ouais. Ah, bah on retourne plutôt au menu principal. Hein. Ouais. Ah, c'est ballon ça. Là, je suis navré, un bug vraiment débile. Tu me dis quand t'as recréé le. Attends, j'ai invité. Là, j'invite dans la partie. Bah, je suis. Je vais tirer la langue. Hop. Ah ouais, non, c'est malheureux comme bug. Tiens, j'aurais pu garder l'euro d'attache dans mon. Pardon, je me déclare. Je ne peux pas vous le retenir. Attends voir. Je vais remettre l'euro d'attache moi dans mon chat OBS. Parce que je préfère avoir l'heure, ça me donne une indication précieuse. Au niveau de la temporalité des événements. Voilà, je suis encore plus à l'aise. Donc, temporalité, c'est quoi ce mot du jeu? Temporalité. Temporalité, oui. C'est au niveau de la gestion du temps. Oh, le vilain. Il m'a mis une image de dentier. Ah non, je suis navré là. Je comprends pas le bug que j'ai eu. C'est frustrant. En espérant que ça nous... J'ai l'impression, en fait, que tu fais une partie, c'est les statues, une partie, c'est l'autre. Une partie, les statues, une partie, l'autre. J'ai l'impression que ça alterne. On va voir. Peut-être tu as possiblement raison. C'est une théorie qui se tient parfaitement, mon cher Seb. C'est parti. Alors, ça, je te parle dans la case. Ah, moi, je... Je fais ici, si tu veux. Voilà, là, le brasson, on est... On aurait peut-être pas dû faire passer le sage, mais... Ouais, mais t'as déjà du procédural, parce que les objets qui spawnent à chaque endroit, c'est jamais les mêmes. Bah, j'ai peur. Alors attention, faut pas que j'éclenche les lasers. Faut que je me baisse, c'est ça. Est-ce que je le laisse enfermer pour pas qu'il déclenche le laser? Ah, ninja.
Et je suis en train de me demander si l'entité ne devient pas de plus en plus hostile à, en fonction des lasers qui ont été déclenchés. Là, c'est moi qui ai l'appareil photo. Oui, c'est bien que ça change. Qu'est-ce qui pirate le coffre avec moi là? Je veux bien, je vais pirater. Alors, pourquoi ça marche pas? J'écoute. Oh, et que des gauches. Wow. Ça, c'était la droite, le sage. Et parce que j'ai mal, j'ai un bug de manette. Mais bon. Attends, on va la refaire. Échoué. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bug de manette à la CON? Allez, c'est parti. Bas, haut, droite, droite, bas. Autant le faire au clavier parce que ma manette s'est inversée. Donc Aucun va. Yep. On n'ouvre pas les grilles encore, d'accord. Ah, mais j'en ai ouvert une moi déjà. J'ai vu, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un bracelet à 300 là-dedans? Tu dégages. Il y a des trucs à pirater. Tire à 1200, tu dégages. TikTok. Bah hors entité magique. C'est TikTok. La demeure est plutôt c'est TikTok, sympa. TikTok. La demeure est plutôt sympa en dehors de l'ambiance magnifique. Est-ce que du coup on peut avoir une mise en demeure? Ah oui alors. C'est quoi qu'on n'a pas accès là, en bas là? C'est bien en bas là. Oui c'est beau, mais ce sera l'eau d'accueil, ce sera l'eau d'accueil complète. Ouais, on a encore les statues. Ce sera quand le jeu sera sorti officiellement. Nous prégère, prépare des surprises. N'oublie pas de c'est les statues, hein, là. Bêche-toi, tu es une chaîne. Il y a des lingères. Je sais pas, j'en ai déjà 5 photos prises. Mais pourquoi tu prends des photos? T'as fait face à une entité magnifique. Non. Ah. Mais apparemment, il n'y a que 5 photos. Je te dis, c'est les statues, donc de toute façon. Alors, on va faire un coup de pied. On y va? Je suis dans. Alors, gauche, haut, gauche, bas. Bah, est-ce qu'on la continue ou est-ce qu'on la reset? Parce que du coup, on a encore les statues. Hein. Non, c'est quoi? C'est perdu. Ah, oui. Alors, bas, ah, haut, toi. Haut, vas-y. Droite. Bravo. Du coup, on la reset ou pas? Bah, la map, est-ce qu'on retourne au menu pour lancer? Parce que du coup, on a encore les statues. Hein. Ah bon? Oui. Ça s'est caché dans l'armoire. Bah, les statues? Je suis caché dans l'armoire. Ah? Non! T'es sûr que c'est les statues? Mais si, non, mais je l'ai vu moi, c'est pour ça que je le dis que c'est les statues. Pourquoi c'est ouvert là-bas? C'est un piège de fond. Oh, oui, j'ai vu une statue. Bonjour madame. Oh la vilaine. J'ai une batterie de. Enfin, une infusible. Ah. Pénule. Qu'est-ce qu'on fait? On mate la
veux faire quoi? T'as les stylés. Je reconnais qu'ils sont stylés. On va où? Là. Mmh. Vas-y, soulève le truc. Soulève le truc. Oh la vache. N'oublie pas que vous êtes mort. Si. Vous mort. La statue. Ah non, Petit Seb, il est encore en vie. Petit Seb, il est encore en vie, Petit Seb. Bah, s'il nous trouve devant le coffre-fort à gris. On est au truc invisible. On est au coffre-fort à. La statue nous a bien. Merci. Vas-y, ouvre la porte. Ah, pardon. C'est bon, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Incroyable. Pose-le sur la maintenance. Utilisez. Utilisez. Tu veux pas? Non, faut que tu le mettes dans un de tes trois touches rapides pour l'utiliser. Attends, peut-être que je me mette la langue. Voilà. De toute façon, j'aurais besoin de toi, là. Ah merde. Attends, je te rejoins. Alors, en quoi t'as besoin de moi? Non, mais moi, je suis pas à l'intérieur. Hein. C'est moi qui étais sorti, justement. Il faut que tu me fasses la courte échelle, là-bas. Il a foutu les jetons. Quoi? Il y a encore une? Non, mais j'ai pris une scène pour une statue. Oui, il faut que je fasse la courte échelle, j'ai compris. Attends, X... Ouais. Non, ah, pardon. Appuie sur A pour aller grimper. Allez, c'est parti. Ah, puis dites bonjour aux statues quand vous les verrez. Merde, pourquoi je peux pas me libérer? Ah! Il y a un petit cul dans le courant du dis donc. C'est le petit cul. J'ai juste ouvert le raccourci pour le départ, mais il faut qu'on tourne dans le salle. Il y a une statue juste en bas. Ouais, je sais. Mais c'est quand même dans cette salle-là qu'il faut qu'on aille. Elle a bougé. Comment qu'elle a bougé? Oui, elle est là-bas, là. Elle a bougé. Il y a un clair fond là-dedans. Oh, j'ai entendu grabuge. Je pense que c'est vous qui faites du grabuge. La clé, là, elle est près de la clé, là, quand on a besoin. La clé est vers elle? Non. Ouais, sur le espèce de bloc, là, côté de la lampe. Et la clé, là-bas. Je la vois pas, hein. J'ai pas de clé, moi, là. Ah, c'est peut-être pas cette celle-là, c'est peut-être l'autre. Non, elle est là, derrière toi, Luc. Suspect. Ah, bah, la bougie de place, elle change de place, la clé. La vilaine. Oui, je te dis, le truc est déjà aléatoire. Ouf. Oula. Ça va, vous en sortez, je vous rejoins, je fais quoi? Ouvre le bout, tu peux nous rejoindre si tu veux. Bon, ah. Bah, je rejoins. Ah, vous êtes coucou. Ouais, il y a la madame là. Ah oui, bonjour madame. Vous, vilaine. Va mourir, vilaine. Parce que normalement, voilà, tu trouves la clé, tu passes là. Tu récupères la clé qui est ici. Je le savais. Trois joyaux cette fois. Nice. Bon. Là, faut pas ouvrir la première porte, là, celle de droite, faut pas l'ouvrir, il y a une statue derrière. En fait, les statues, si tu sais où elles sont, il suffit de les esquiver parce que tant qu'elles te voient pas, elles ne sont pas actives. Ça reste des statues. Et dès qu'elles t'ont vu une fois, après, elles se baladent et elles essayent de t'avoir. Bah oui. Comme ça. Ah, mais j'adore. Pour moi, c'est 100% une référence aux anges pleureurs de Doctor Who.
Bah, les anges power dans Doctor Who, c'est des statues qui tuent des gens en des gens, mais qui ne peuvent se déplacer que quand on les regarde pas. Wow. Non, mais je l'éclaire au moment que je puisse passer, mais tu la regardes. Mais tu peux passer, on va... fais gaffe parce que t'en as une dans ton dos. Attends, comment ça dans mon dos? Au secours! Me laissez pas seul, je vais me faire popo dessus. Mais cours! Mais comment? Marche arrière? Non, tu te retournes et tu cours. Ah, mais c'est pas la sortie. À droite. Ah. À ta gauche, du coup. Oh oh, je me suis trompé, je crois. Ah! Ah! Je fais quoi, au secours? Les vilains. C'est la quête sortie, ça. Ils répondent pas, ouais. Les vilains. Bon, on fait comment là, je. T'as pas de fusible? Ouais, j'ai pris de fusible. Ça va, tranquille, j'en ai deux à vue là. Bonjour, tu veux la bise? Salut! Ah, je vais foutre dans le jardin, moi, tu vas comprendre. Bon, bah j'en ai deux. J'aime pas ce que j'entends. Attends, je vais les bouger, mais je sais pas si. Ah non, c'en est une troisième. Tu fais gaffe, t'en as deux autres sur ta gauche. Hein. Il y en a une au fond du couloir là. Oh là 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 là, je les vois toutes. J'ai les quatre, t'as vu ? Au secours. J'ai les quatre chevaliers de l'apocalypse. Ouais, de toute façon, attends. Il va avoir du mal. Je dépose ça. Voilà. Tu peux regarder la première. Hein. Non, mais tu peux regarder la première là, Twinsen. Voilà. Allez, le sage, cours et rejoins Twinsen là-bas. Là-bas ? Mais vous êtes tous regroupés. Mais toute scène, je t'ai dit de regarder l'autre. Ah merde. Vas-y, maintenant rejoins Twinsen, le sage. Oh là là. Ouais, c'est bon, je les regarde celle-ci et les autres si elles arrivent, je vais les regarder aussi. Allez, quoi. Ouais, elles se joignent à nous, elles se joignent à nous. Bon, je vais rejoindre Twinsen, d'accord. Oh les vilaines. Et ensuite. Ok, ensuite tu continues à reculer, hein. T'es où le sage, toi? Bah, je... C'est ça qui est chiant, moi je sais pas qui est qui, ça me saoule de pas avoir le pseudo au-dessus de la tête des gens. Au bien des couleurs, des couleurs. Ouais, mais quand on aura des cosmétiques, mais au début quand tu commences à jouer, ça va être comme ça. Qui c'est qui est juste devant le couloir? C'est moi. D'accord, bah vas-y, viens, le sage. Non, mais c'est bon, retourne-toi. Et ensuite, je fais quoi? Le sage, j'ai fait du moonwalk. Tourne-toi! Ah, pardon, vous êtes là. Voilà, bien. David. Voilà. Remets. Ou si vous voulez, moi je me mets là pendant que vous allez faire le coffre. Allez faire le coffre tous les deux. D'accord. Alors, non, toi aussi le sage. Il est où le coffre? Mon dieu. Ah, Sweet Vincent. Ah, oh merde! J'ai eu juste assez de temps pour pour rentrer, ouvrir le bouton et ressortir avant qu'elles arrivent bloquer la porte. Hein. C'est un microphone. À quoi sert le microphone? Bon, le sage, le code de corp, là. Tu peux le vendre, mais ça on s'en fout. Là, il faut faire le code de. Alors, pirater. Alors, attention. Droite, gauche, 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 bas, bas, gauche. Bravo. Youpi. Le numéro complémentaire, le 412. Ah. Je vous conseille de sortir sur la droite. Sur la droite, le bijou est à nous. Ah oui, tu peux. Merci.
Donc sur la droite on se barre, c'est ça, en courant. Ensuite... Bon, en courant, oui non, hein, mais. Oh, elles sont nombreuses. Bah, ensuite, on pousse par là. D'accord. Non, on pose la pas dans le sac. Justement, je veux vérifier un truc. Ah. On parce qu'il me semble. En fait, il me semble que quand tu as des objets sur toi, oui. Comme ça. Ça les compte comme pris pour le casse. Vas-y, fonce à la sortie. Elles sont toutes devant moi là. Ah bon. La sortie. Bah la sortie là-bas, de l'autre couloir là. Là-bas. Bah, je vais pas aller tout droit, moi. T'es pas bien toi. Effectivement, si. Là-bas, le sage. Bien. Suis-moi, tu une scène. On se barre. Ah mais c'est bien. Et en fait, moi je la regarde pas, je me barre avec vous. Ah, oh, mais il y en a une juste là. Le brigand. Chez la ville. Je, je fais comment moi? Faut que je me retourne, que j'appuie sur le bouton sans qu'elle arrive jusqu'à moi. C'est bon. C'est te flip. Il en manque un. Ah, c'est bon. Bravo! C'était encore du grand art. Un petit peu plus loin, mais ça a été. Ouais, mais alors voilà, la couronne, on n'est pas obligé de la mettre dans le sac. Par contre, tous les objets, autres objets de valeur, on est obligé. Je les avais là, je vous dis. Ouais. Bon, en fait, le but c'était quand même d'y arriver avec l'autre mob, hein, pas celui. Alors, tu veux encore en faire une avec l'autre mob? Ah, bah, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, pourquoi le sage il a moins 4000 de médailles? Je comprends pas. Parce qu'il s'est fait mettre à terre, peut-être. Bah écoute, je suis tellement nul que je suis puni. Non, mais c'est peut-être parce qu'il s'est fait mettre à terre. C'est à cause du chaos. Ok, oh. Ah, t'as la grille, le coup de la grille. Ouais, la grille du knockout qui m'a coûté cher. Voilà. Tu vois, par contre, tu vois, ça compte pas ce que t'as dans ton sac à dos. Par contre, moi, je fais 450 points grâce à mon sac à dos. Les objets que j'ai piqués en dehors. Oh, il y a 870 joueurs au monde. Ah mais ça j'ai l'ai complètement quitté. Oui pardon, j'ai été un peu violent. Je l'avoue. Donc on fait quoi? Moi c'est comme vous voulez. S'il te plaît. Allez, on va la faire pour petit Sabine. Il est chaud, je sais, il veut mater le monsieur pétrole. Monsieur Goudron. On va l'appeler monsieur Goudron. C'est un chou lapin comme on dit. Merci d'une chaîne. 50 euros. Monsieur Goudron. N'en fais pas là, merci. La la la. Chez monsieur Goudron. Ouh, j'ai l'impression que Dorota récupère Adonf. Il dort là. Quoi qu'il fait une nuit complète. Mais s'ils sont. Après, il va faire des. Il va faire du nid blanche contre 5 après. Bah, si c'était son bon plaisir, tant mieux pour lui, tant qu'il peut s'offrir ce plaisir-là. Mais en même temps, je suis un peu peiné vis-à-vis de lui, parce que ça veut dire que son corps est éprouvé. Et comme il a, évidemment, vous le savez, la santé fragile. C'est. Voilà. Mais tant mieux, après, s'il se sent bien et qu'il passe des moments à rigoler, tant mieux. C'est mort. Allez, zoom. Toujours aussi discret comme mise en. Ah bah ouais. Hein. Situation. Hop. Et hop. Ah. Ok. Voilà. On va te libérer. Pardon. La clé. La clé. Alors. Ah oui. Normalement, t'as même pas besoin de la prendre la clé dans ta main. Il suffit juste de. Ah ouais d'accord, tu trouves comme un gros. Oh la violence. Ouais. Parce que j'ai compris que ça servait à rien. Tiens, moi. Oh la vache, cette violence. Bon bah. Et faites bien attention parce que regardez, là juste au pied du canapé, par exemple, il y a un joyau. Ouais. Les. Bah en fait, même sans fouiller, des fois en plein milieu de la zone, c'est t'as un truc quoi. C'est pas mal dans le noir. On se fait plus dessus. Le vase a changé. Le bordel. Tu disais que si on visse bien. Va prendre, réessaye. Hein. Ouais, non mais j'ai pris un vase, un objet trop.
statuette. Ah, 900$, je vais peut-être pas l'acheter. Je vais avancer dans cette quête. Bah non, on s'en fout, on trouve des objets de 2000. Ah. Pas du 1500, on va dire. Ah, allez, je prends le Polaroid. Prends la... le sage. Prends la timbale là qui tourne au sol. Merde. Non, je t'ai pas demandé de nous aveugler, je t'ai demandé de récupérer. Vas-y, essaye. Tu te rapproches bien de la grille. Oui. Ah, le sage. Non mais pas de celle-là, elle est ouverte. Ok. Bah salut, je suis. Oui. Tu te rapproches bien là, tu te mets la timbale dans les mains là. Oui. Voilà. Tu mets ton cercle sur le bouton rouge à peu près. Ouais. Et je lance. T'appuies. Ouais, tu maintiens un petit peu, 3-4 secondes, et après tu lances. Ah ouais, bravo! J'ai du génie! C'est une arnaque! C'est une arnaque! C'est surtout la seule façon de jouer quand t'es tout seul. C'est ça. C'est vrai, en plus. Oh, l'idée de faire un casse en solitaire, c'est impossible. Je l'ai fait, moi, hier, après que vous ayez arrêté, ah, mais... Et alors, c'est pas... Non, j'ai pas réussi. Ouais, c'est dur. Quelqu'un ouvre la porte avec moi ou pas? Bah, tu une 7 sûrement avec le TV. Haut, gauche. Tu vas être content, c'est Monsieur Boudron. Ouais, c'était pour ça qu'on voulait la refaire. Hein. Monsieur Boudron, je l'ai pris en photo. Dieu. Ah, faut qu'on roule. En vrai, à chaque fois on dit c'est pas la peine d'ouvrir le coffre, mais en fait on n'en sait rien, parce que comme c'est aléatoire. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le supermarché en solo, c'est un sport extrême. Oh, mais je te connais. Bah oui. Ah, vous êtes où là? Bah, moi je suis de près de la dans la salle des lasers. Oui, toi, t'es... Bah vas-y, tu peux rejoindre si tu veux, moi je regarde le mur. Si je trouve sa position. Il est au studio. Mais ça sert à rien de le regarder. Bah, il s'annonce un peu avant de... Moi je veux le prendre en photo. Tu fais gaffe, tu peux pas passer ici. Ah, mais justement, bah ouais. si on est limité en... Merde, putain. Si on est limité en merde, ça veut dire quoi? T'es dans la fouche à Purin? Ça parle mal. Ça veut dire que si on est limité en photo, autant pas chercher à le prendre et le prendre que quand il y a besoin. Ouais. Enfin, c'est mon avis, mais... Oui, je partage, tu as raison stratégiquement. Le Polaroid est précieux. J'ai déclenché tous les lasers comme ça. Il est bien excité, comme t'aimes. Ça va être la partie du vice. Wow. Il vient de m'apparaître devant moi là. Sérieux? Et de disparaître. Ouais. Là. Je suis là. Le mec il provoque en faisant du morse avec la lampe. Mais graphiquement le jeu est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, ouais. Vous. Hein? Incroyable. Mais il m'a spawn sur la gueule, c'est pas possible. Oh, tu es dans le boudoué. Je suis pas loin. Non mais il m'a vraiment spawn dessus en fait. Oh non, j'étais pas loin. Go. Waouh.
trois fusibles pour alimenter la porte de la salle du coffre. Alors actuellement, ces trois fusibles sont toujours au même endroit ou leur position? Droite, est... droite, bas, bas, droite. Pardon. Oula, et oui, ils sont toujours au même endroit. D'accord. Pour l'instant. T'en as un dans la salle de commande. Et t'en as un dans le bureau du président là. Du directeur. Si j'ai pas vu un mouvement sur la gauche, moi j'ai dû flipper. Ah, oh, j'ai l'impression que le monstre m'a oublié. Ah, c'est moi qui grimpe. Okay. Merci. Dommage, je n'avais pas assez con pour pouvoir grimper tout seul en haut. Hein. Ouais. Un peu nul comme truc. Hein. L'ambiance de l'orage. Bah, si tu veux, tu peux retourner prendre le. Ah, mais ça me piège aussi pour lui. Ah, je savais que t'étais là. Je me déplace. Parce que le vilain monstre est apparu devant moi. Il me hante. Oula, j'étais près de la sortie. Oh, c'est vous le bruit de glace? Ouais, moi je pense que je peux. Bonjour le sage. Coucou. Waouh. Comment ça, waouh? Putain, je vais me faire flipper. Bah, j'ouvre la salle de bain. Je tourne. Je cours et le mec était juste là. Oh. Et je vais passer à côté en courant. Sa main m'a touché, hein. C'est sûr, mais il m'a pas chopé. Oh punaise. C'est quoi ce bruit? C'est quoi qui fait tic tic? Putain! Dimitri! Oh là, c'est flippant ton truc. Ah, kiki pour ramasser. Ah, j'ai pris quelques valeurs. Ah! Oh punaise, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur Polaroid. Et du coup, tu la despawn. Ouais. Ah! Je lui ai fait un bisou. T'es où le sage? Dans bah, dans le couloir, ouais, ouais. Merci, bah, tu essaies de me réanimer. Putain, ah, j'étais à deux balles, forcément. Ouais. Heureusement. T'as une vie, hein, mon monstre. Je suis content, je l'ai polaroïdé. Comment ça interagit avec le TV? Ah! On se faisait par-dessus. Ah. Ouais, tu peux se faire par-dessus. Oui, tu vois que t'as pas tapé une. Ah, je suis. Bah, tu te barres à la sortie, on a fini? Mais non, on a pas la couronne. Dans la chambre. La chambre. Le chèque qui va revenir. Oh. Hop, je me mets sur le coffre, j'attends. Ah, tu veux que j'arrive? Non, j'arrive. Ok, vas-y. Bah, vas-y, tu te sènes, moi je mate. Droite, droite, gauche, bas, haut. Non, c'est encore un bracelet. Je sais, je crois qu'il me reste encore un Polaroid. J'ai là le schéma. Pourquoi il y a un truc qui a sauté là-bas? Je sais pas. J'ai dû le faire. Je vais être vite, peut-être pas. Oula. Vous êtes bon ou pas? Oh le vlar. Il est derrière nous, le vilain. La belle. Je. Polaroid ou. Oh non, le. Non, mais. Tant pis. Oui, mais là on est à côté, tu peux te laisser manger et on te relève. Parce que. Oui, c'est pas gentil, mais le problème. Le problème, c'est que. Oh. Quand on va être. Au. La fuite, oui, il faudra un coup pour la relique pour que le monde se barre, c'est ça. Je pense. Quelqu'un m'aide avec le coffre là qui avait le disjoncteur. Ah oui, j'arrive.
Ah bah non, j'ai pas déposé les valeurs. Tu ne sais de prendre relais, s'il te plaît. Je voulais déposer les valeurs dans le sac, moi. Je... Ah que celles qui font au moins 1500. Bas, haut, haut, bas, bas. Et moi, je suis très très bas. Je suis à plat. Oui, il m'aime beaucoup, le vilain. Merci. Il est pas j'ai vu qu'il y avait une touche pour te violer. Hein. J'ai vu qu'il y avait une touche pour te violer. Le monstre dans cette demeure. Monsieur Boudron est une scène. Mais pourquoi tu fermes les accès? Ah, y'a un monde qui arrive. Bah oui, Boudron, il est excité, là, il est dans le salon. Mais petit Seb, il est dans la mouise. Ah putain, mais il court plus vite que moi, c'est abusé. Ah oui, parce qu'il l'a eu. Ah mais je lui ai fait faire 3 fois le tour du truc, je suis juste là, là, en direction de la sortie. Ah, c'est pareil. Non, allez, ah bon? Mais non, on n'a pas eu la couronne. Ah ouais? Oui, mais on n'a pas la couronne. Ah, il arrive. Bon, on va pas se mentir, le Polaroid il marche plus. Hein. Oh, mais non, mais il est encore là. Il est encore fort ici. Ça fait du plaisir, moi. C'est l'amour fou entre lui et moi. Ouais, mais va quand même falloir qu'on arrive à t'avoir avec nous parce que sinon on oui. n'y arrivera pas. Hein. Ah, t'es où toi, Twinsen? Bah, il m'a sauvé. Pas que ça. Mais le monstre a fusionné avec moi. Il y a un bug. Ah, il y a un gros bug. Oui, et puis là, il m'a pris là maintenant. Ah bravo. Mais vous êtes où? En PLS devant la sortie. La sortie. On est juste à côté. Et il est vénère. Hein. 30 secondes. Attends, moi ouais, je... il est... j'ai réapparu là où il était. Donc faut arrêter la déconnade. Là, il n'y a plus de jeu. Si je suis tout le temps localisé là où il y a le monstre, je peux que mourir qu'en boucle. Hein. C'est ça, non c'est mais mec, tu viens d'apparaître derrière moi, connard. Mais se pète de ma gueule. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? C'est n'importe quoi. Ça, c'est une arnaque, hein, je suis désolé. Ouais. Ça, faut... c'est de la merde. C'est une règle de jeu pas valable, ouais, on est d'accord. Mais le problème, c'est que ça fait... 10 minutes, sérieux, 10 minutes que je tourne dans ce couloir à chercher un interrupteur pour allumer les lampes. Ouais. Parce que c'est ça le problème, c'est comme qu'on n'a rien rallumé, ben le mec il fait ce qu'il veut. Mm-hmm. Bon allez, on y est assez joué je crois. Ouais. On va attendre qu'il y ait peut-être une mise à jour du prologue en même temps que de la sortie du jeu. Où ils ont... Je pense que dans le prologue ils y toucheront pas. On verra. Mais c'était cool, c'était pas mal. Enfin, maintenant que je suis habitué au monstre, j'aimerais pas. Mais quand même. Well, pas plus, moins. Bon. Oh, je vais gérer un supermarché avec Super LJ, je crois. Parce que c'est bon. Eh ben merci, petit Seb, d'avoir été encore aujourd'hui camarade de jeu. C'était bien, j'ai adoré. Bah de rien. Il faudra qu'on sache ce qu'on fait demain matin. On improvisera. Écoute, honnêtement, on est encore en phase de repos, à peu près tous chacun. Je pense qu'on va pas mettre de réveil. Tant